بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا صلي وسلم على الحبيب جزاك الله خيرا دي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا اللهم صلي وسلم على عظيمنا محمد اللهم صلي وسلم على قائدنا محمد اللهم صلي وسلم على معلمنا محمد اللهم صلي وسلم على شفيعنا محمد قلت له وقولك الحق يا ربي يا محمد ارفع راسك اسأل تعطى اشفع تشفع اللهم شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم يا ربي كما آمنا به واتبعناه وصدقناه ولم نره فلا تحرمنا رؤيته بجناتك جنات النعيم اللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري Tu t'es déconcentré à essayer de comprendre ce que j'ai dit en arabe. Un jour, je le traduirai, mais je pense que tu vas le traduire tout seul. Pour pas que consommer, il faut aussi lancer des recherches pour traduire toi-même. Allahumma, tu apprends, tu tapes sur Google, tu as l'explication rapide, Inch'Allah. Apprenez l'arabe, je sais qu'on peut faire. Mais tu as oublié, tu étais déconcentré à comprendre, mais tu as oublié le plus important, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je dis alhamdulillahi, je commence par alhamdulillahi, louange Allah, fais louange Allah subhanahu wa ta'ala. Pense à la gorgée d'eau que tu viens de boire. Pense à la ni'ma que tu as. Pense au fait que tu n'es pas tétraplégique. Pense à la plus importante que tu es dans la guidée, l'islam. Dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah à chaque fois. Chaque parole commence par Alhamd et Salat wa Salam al-Habib Muhammad et finit par Salat wa Salam al-Habib Muhammad. Chaque parole, chaque serment, chaque conseil. Allah yajazikum bi khair. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je dis la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs en islam. Et tu viens attaquer mon intention. Et tu viens m'espérer et me demander l'enfer pour moi. Et tu viens dire que je suis en train d'égarer la planète. Mais alors que je dis salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs de l'humanité. Qu'Allah vous guide. Nos frères et sœurs de l'humanité, ce seront les futurs bras droits de l'islam, les futurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallam a fait dua pour son pire ennemi qui voulait sa mort. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو الله أمر الإسلام رنفورس الإسلام فورتيفي الإسلام بار أحد العمرين عندي دو عمر عندي دو سي عمر بن الخطاب يا الله إكزوسي لو فو هذا لو دعاء محمد صلى الله عليه وسلم سيد تون بير إنمي تو لوي سويت دعاء أفي فو تو في تو لوي في دي دعاء بوك الله لو غيد Et oui, l'islam a été renforcé par celui que, quand lui prend un chemin, Shaitan prend un autre chemin. C'est Omar ibn al-Khattab, al-Farouq. Wa ma adraka ma Omar ibn al-Khattab. Le summum de l'adala, le summum de. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la justice, il a été réalisé dans les 10 ans qu'Omar ibn al-Khattab a été khalifa des musulmans. Et oui, l'islam a été renforcé, fortifié, solidifié par. Omar ibn al-Khattab à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un dua alors qu'Omar voulait tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Espérons pour les mécréants d'aujourd'hui, qu'ils soient des Omar ibn al-Khattab de demain, des Salah ad-Din al-Ayyubi de demain, des Nuruddin Mahmoud de demain, des Yusuf Nutashafin de demain. Des. L'histoire musulmane est pleine, alhamdulillah, de gens qui ont fait élever l'humanité vers l'islam. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Un sujet que je voulais traiter sur en liste, vraiment en faisant une liste. Voilà. Et j'ai pas voulu traiter jusqu'à aujourd'hui malgré toutes les attaques que j'ai entendues. Donc un frère me dit salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça serait pas mal de faire une vidéo sur le thème des chiites. Je précise, je suis sunnite. Donc c'est vrai, quelques-uns savent que beaucoup de gens m'attaquent et pensent que je suis un chiite. Il y a même un qui, subhanallah, se prétend du groupe Souris, qui m'a dit sur une vidéo en commentaire, est-ce qu'il est musulman? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des pseudos, mais je connais qui se cachent derrière des pseudos de l'ordinateur là, pour dire ce qu'ils veulent, alors que parfois ils ne sont même pas musulmans, parfois ils veulent juste saper, ils appartiennent à des réseaux.
sombre, ils ont basculé dans le côté obscur, comme disait votre film, de la mécréance et du combat de l'islam, et ils viennent semer la zizanie. Mais je connais un groupe des pseudos qui passe son temps à attaquer tout ce qui bouge et à dire que tout le monde est agréé, que tout le monde est kafir. Donc ce monsieur est venu me dire qu'Allah, écoutez bien, qu'Allah te met en enfer avec les chiites que tu adores. Regarde le doigt. Qu'Allah te met en enfer avec les chiites que tu adores. Regardez combien de moussiba il y a dedans. Regardez, dans cette phrase-là, il a dit miskin. Et sûrement, il l'a oublié. La vie va pas qu'il l'a oublié, cette phrase. Mais c'est peut-être cette phrase-là qui va le mettre en enfer, wal'iyadu billah, lui. Écoute, dans la phrase, il y a quoi? Il y a un dua contre ton frère musulman. Ouais. De le mettre en enfer. Alors que le musulman, laisse la âne. Le musulman, c'est pas quelqu'un qui sub. Il insulte. Il maudit. C'est pas ça le musulman. Du tout. Le musulman, c'est maintenant celui qui est le musulman, c'est celui que les gens ne craignent pas sa langue et sa main. Alors, où est le musulman? Le musulman est un délice. Est une pureté, est une bonté, est une gentillesse, ça le musulman. Voilà, donc là, il fait un dua mauvais, ou l'ayyadu billah, de l'enfer. Il ne sait pas que le malak, l'ange au ciel, peut lui dire, « Walaka bima talabt » Quand tu fais un dua à quelqu'un ou à quelqu'un, le malak te dit, « Walaka bima talabt » Donc tu auras ce que tu as demandé pour ton frère. Voilà. Deuxième. Et là, dit que dans le dua, donc, tous les chiites sont en enfer. Donc il a pris la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui t'a dit que tous les chiites sont en enfer? Qui a dit que les chiites sont mécréants? Qui te l'a dit? Qui a dit que la totalité... Ah non, là, nous sommes dans le très haut voltige. Comprenez ce que j'essaie de vous dire. Qui t'a dit que la totalité des chiites sont en enfer? Qui? Sors-le-moi. Ah, attention. Ne sors pas des choses que tu ne connais pas. Des bribes d'infos que tu as trouvées sur le net. Donc mon frère, les chiites, ça a commencé tachayyou les Ali. Donc ils ont... Ils ont penché plutôt vers Ali, comme si le sunnite n'aime pas Ali. Comme si le sunnite... Ali a une importance pour les musulmans que vous ne pouvez pas imaginer. Ali ibn Abi Talib a une importance pour les musulmans sunnites. Sunnites d'abord, que les chiites n'imaginent même pas. D'accord? Ça a commencé comme ça, une histoire politique d'abord. L'histoire a commencé au niveau politique. Et c'est pour ça que je vous invite à étudier ce qui s'est passé le jour de la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous le dis, tout musulman qui se respecte et qui veut connaître sa religion et qui veut comprendre les malheurs qui se passent aujourd'hui et qui veut comprendre les fitnas qui ont divisé la Ummah pendant 1400 ans et qui veut comprendre les millions de personnes qui sont mortes, elles sont mortes à cause de quoi? Des millions de personnes dans des guerres inter-musulmans, intra-musulmans à cause de la non-crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'accumulation d'un passé que les générations ne comprennent pas aujourd'hui. Alors qu'Allah nous a facilité la chose, nous a dit « Tilka ummatun qad khalat, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum, wa la tus'alouna amma kanu yaf'alun. » Donc « Tilka ummatun qad khalat, amma kanu yaf'alun. » Donc c'est une umma qui est passée, il est passé, c'est fini. Là, ma kasabat, ce qu'il a fait, il l'a fait. Ses actes, il les a faits. Ou allez, ma kasabat, ses mauvais actes, il les a faits, c'est bon. Ou alors, tout saluna amma kanu yamaloun. Vous ne serez pas questionné par Allah de ce qu'ils ont fait eux. Laissez-les. C'est une fitna qu'il y a eu. Il y a eu des fitnas, il y a eu des ijtihads dans l'histoire musulmane, juste après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des ijtihads. Qu'est-ce que toi tu viens voir aujourd'hui à dire que Ali il est en enfer, Abu Bakr al-Siddiq il est en enfer, Omar ibn Khattab et Abu Bakr? Oui, des shi'as disent que le Mahdi quand il va arriver, juste pour que vous compreniez, quelques shi'as, pas tous, attention. Il y a donc des shi'as qui aiment les sahaba plus que les sunnites, et qui connaissent les sahaba plus que nous, les sunnites. Attention, ne tombez pas dans les pièges. D'accord? Donc il y a des gens qui disent que le Mahdi, quand il va arriver, il va déterrer Omar. Et Omar et Abu Bakr, ce sont les Lata wal Uzza. Lata, ce sont les plus grands salam que les mouchriques ont connus. Ce sont Omar et Abu Bakr. Le Mahdi, quand il va descendre et quand il va arriver, à la fin des temps, il va les déterrer et il va les tuer encore une deuxième fois parce qu'ils ont pris la place de Ali ibn Abi Talib. Et c'est ça. Ça a commencé comme ça. Maintenant, il faut pas mal de vidéos pour que je vous explique un peu quelques égarements des chiites. Qu'Allah les guide.
Comment on peut revenir à l'islam de Minhaj al-Nubuwa, de l'Khilafa sur Minhaj al-Nubuwa, c'est en faisant la paix entre les musulmans, c'est en argumentant, c'est en échangeant. Mais pas que chaque groupe dise que l'autre est kafir. On n'ira pas, on n'avancera pas, et on lancera la guerre entre nous comme ce qui se passe en Irak aujourd'hui. Les frères et les sœurs, qu'Allah nous guide, propagez cette vidéo. Allahumma dina wa dina jamais sabal ma'izda.